Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Seigneur, nous nous abandonnons. Nous te laissons toute la place. Viens conduire ce moment. Nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas parler. Nous ne savons pas prêcher. Nous comptons sur toi. Viens nous assister. Viens libérer ce que tu as prévu. Ce que tu as mis dans mon cœur. Viens libérer fidèlement. Parce que nous voulons, Seigneur, que tu fasses éclater ta gloire. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur. À toi la puissance. À toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action des grâces, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Si tu peux dire à ton frère et à ta sœur à côté, c'est la saison des amours. Oh, dis-lui bien, c'est la saison des amours. Ton amour envers ton mari augmente dans cette saison. Tu vas l'aimer comme jamais. Amen. Ah, nous allons l'aimer. Si tu es d'accord avec ça, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen. 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 Gloire à Dieu. Je ne pourrais commencer sans bénir le Seigneur encore pour la grâce que nous avons d'être dans cette merveilleuse famille. Si tu reconnais, c'est vraiment une grâce. Si tu reconnais que notre Dieu fait des merveilles dans cette famille spirituelle. Quand nous voyons la conférence des femmes, Caïm, quelqu'un peut dire simplement waouh. Waouh. C'est tellement puissant. C'est tellement fort. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour le leadership de Maman Maud? Amen. Ah, si j'étais à votre place, j'allais me tenir debout afin de bénir le Seigneur pour notre Maman Maud. Waouh. Parce qu'il fallait entendre. Elle-même, elle a dit, l'année passée, c'était plus jamais invisible. Mais elle se disait en elle-même, mais après ça, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire encore? Après, elle a entendu l'épouse du roi. Il a fallu plusieurs mois pour qu'elle puisse vraiment être sûre. Elle dit, vraiment, c'est ça, l'épouse du roi. Et le Seigneur a confirmé sa parole. C'est la parole du moment. Amen. Est-ce que tu peux bénir encore le Seigneur pour nos pères, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est grâce à leur obéissance que nous sommes là. C'est grâce à leur obéissance. Nous ne les dirons suffisamment. Ça ne sera jamais assez. Il est bon d'être reconnaissant. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois être reconnaissant tous les jours. Ah, parce que l'ennemi quête le cœur. Quand il voit l'ingratitude, il peut dire, hey, ça ne sera pas notre partage. La reconnaissance sera notre partage. Amen. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour ta vie? Est-ce que maintenant tu peux bénir le Seigneur pour ton frère, pour ta soeur qui a payé le prix pour être là, pour venir dans la présence de Dieu? Ah, c'est comme ça que tu acclames le Seigneur pour ton frère, pour ta soeur. Dis à ton voisin, peut-être que tu ne me reconnais pas. Tu ne connais pas ma valeur. Mais mon Dieu connaît ma valeur. Amen. Amen. Ne néglige pas ton frère, ta soeur. Parce qu'à côté de toi, il y a des chefs d'État. Oh, j'ai pris. Il y a des dirigeants d'entreprise. Amen. Il y a des prophètes. Il y a des pasteurs. Il y a des apôtres. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui nous amène de gloire en gloire. Amen. Alors si nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour le chantre. Et prenons place dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen.
qui peut dire gloire à Dieu. Notre Dieu est bon. Amen. Dis à ton frère, à ta sœur, notre Dieu est bon. Quand il t'amène dans sa présence, c'est pour te faire monter. Amen. Quand le Seigneur t'amène dans sa présence, c'est pour te faire monter de gloire en gloire. C'est pour que tu puisses avancer. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, c'est lui-même qui nous perfectionne. Il nous affermit. Il nous fortifie. Et il nous rend inébranlables. C'est lui qui le fait. De chaque fois que tu viens dans sa présence, tu dois savoir que c'est pour te rendre meilleur. Perfectionner, ça veut dire te rendre meilleur. Ah, comme tu étais hier, aujourd'hui tu seras meilleur. Tu sortiras de ce lieu meilleur. Amen. Et tu sortiras de ces lieux affermis. Tu sortiras de ces lieux fortifiés. Tu es venu, peut-être tu as des défis et tout ça, mais quand tu sors, tu seras fortifié. Que tu reçoives la force de... que tu reçoives la force du Seigneur. Une force surnaturelle te soit injectée. Une force. C'est le Seigneur qui fortifie. Il nous fortifie puissamment dans notre être intérieur. C'est ce qu'il fait. C'est pour nous rendre inébranlables. Amen. Affermir, c'est depuis les fondations. Ça veut dire qu'il travaille nos fondations. Il travaille notre identité. De manière à pouvoir le voir, le ressembler. Amen. Parce que l'épouse de Christ doit ressembler à l'époux. Vous savez, épouser veut dire quoi? Épouser veut dire prendre la forme d'eux. Épouser, c'est prendre la forme d'eux. Ça veut dire que nous sommes appelés à être comme lui, à prendre la forme de l'époux. Dis à ton frère et à ta sœur à côté, nous sommes appelés à être semblables à lui. Dis-lui. C'est pour cela, si nous commençons cette parole, un instant, si tu peux arranger un peu, parce que... La parole qu'il nous a donnée dans 2 Corinthiens 7, la révélation du moment. Dis à ton frère et à ta sœur, notre Dieu est bon. Alors, dans 2 Corinthiens 7, et 2 Corinthiens plutôt 11, verset 2, il a dit... Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie des dieux. Ça veut dire premièrement que Dieu est jaloux. Amen. Dieu est jaloux. Ça veut dire qu'il ne veut pas que tu puisses appartenir à quelqu'un d'autre. Il t'a racheté esprit, âme et corps. Amen. Nous sommes la possession exclusive de notre Dieu. Seigneur veut dire propriétaire. Quand tu dis « Seigneur, mon Seigneur », ça veut dire que tu es en train de déclarer « Tu es mon propriétaire. » Esprit, âme et corps. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour notre propriétaire? Pour ce terme. Parce que beaucoup disent « Seigneur, Seigneur », mais tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Tu es en train de déclarer « c'est Tu es mon propriétaire. » Parce qu'on a vu qu'il y a trois dimensions. Dimension de l'enfant. Dimension du fils et dimension de l'épouse. Amen. Et dans cette saison, le Seigneur nous appelle à rentrer dans la dimension de l'épouse. Amen. On a dit que l'enfant, il a le père. Amen. Un enfant ne voit que son père. C'est pour cela que quand tu acceptes Jésus, tu viens, c'est Dieu qui t'a attiré, donc tu vois Dieu et devient ton père. Dieu est devenu ton papa. Il est ton papa. Donc quand tu es encore un enfant, alors qu'est-ce qui se passe? Tu ne connais pas encore l'histoire de servir Dieu,
Tu ne connais pas encore l'histoire. Oui, il faut qu'il y ait des personnes qui sont là, qui t'encadrent. Tu es encore, tu vois. Et quand on te dit, fais ceci, fais cela, tu dis, mais à l'église, on demande trop de choses. Parce que tu es encore un enfant. Dis à ton frère et à ta soeur à côté, tu dois quitter la dimension de l'enfant. Parce qu'un enfant est indépendant. Un enfant ne s'engage pas. Un enfant, souvent les enfants y participent seulement. Pour un enfant, il doit recevoir. Vous voyez nos enfants, moi bon, je suis un modèle. Parce que j'ai beaucoup d'enfants. Amen. Dieu m'a fait grâce d'avoir beaucoup d'enfants. Amen. Amen. Donc, j'ai étudié les enfants. Je connais les enfants. Amen. Qui me dit, un enfant est là pour recevoir. Recevoir l'attention. Recevoir. Surtout, le petit dernier que j'ai, Elisha. Donc quand il est quelque part, il faut qu'il occupe l'espace. Il faut qu'il puisse avoir toute l'attention. C'est pour cela que quand tu viens à Christ, tu es encore enfant. Et il est bon d'être enfant. Et on a dit qu'il ne faut pas. Il faut laisser les petits enfants venir à lui. Parce que si tu arrives directement, boum, tu deviens fils comme ça. Et tu n'as pas traversé l'enfance. Il y aura des choses que tu vas rater. Parce qu'un enfant reconnaît qu'il a un père. Un enfant reconnaît qu'il est descendant. Il est descendant. Technon veut dire descendant. Tu descends de lui. Tu as les mêmes gènes que lui. Tu sais que tu as un papa qui est bon. Il est riche en bonté. Il est bon. Qui peut reconnaître que notre papa est bon? Dans cette dimension de l'enfant, tu vas voir que tu demandes, Dieu te donne. Tu demandes, Dieu te donne. Avec facilité. Mais Dieu ne veut pas que tu restes enfant. À un moment donné, il va te dire, mais tu commences à demander, mais ça ne marche pas. Tu te dis, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Mais simplement, le Seigneur est en train de te faire grandir. Parce que quand tu grandis, tu vois, si tu es un papa ou une maman, tu as un gaillard de 18 ans qui se comporte comme un enfant, tu vas dire, mais petit, quand même bouge quand même un peu. De la même manière, notre Dieu, quand tu grandis, il ne faut pas rester dans cette dimension-là. On rentre dans la dimension de fils. Et dans cette dimension-là, on vient te donner des maîtres. On te donne des personnes qui vont t'encadrer. Amen. C'est marqué dans Galates 4, aussi longtemps l'héritier est enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Parce que quand tu es un enfant, tu es comme un esclave. Donc ça veut dire que tu ne peux pas hériter, on ne peut pas. On ne donne pas la clé d'une voiture. Même si tu offres une voiture à ton fils, mais je ne pourrais pas donner la clé d'une voiture à mon fils qui a 2 ans. Jamais. C'est par amour, je ne le fais pas. Il y a des choses que tu ne reçois pas de Dieu, c'est simplement parce que Dieu veut que tu grandisses. Tu ne reçois pas, tu pries, tu dis, Seigneur, mais pourquoi tu ne me donnes pas? Mais si tu ne reçois pas, c'est parce que peut-être Dieu voit que si il te donnait, l'ennemi allait venir les reprendre. Vous voyez ça? Alors Dieu doit veiller à ce que tu grandisses. Dieu doit veiller à ce que tu sois encadré. Dieu doit veiller à ce que tu puisses garantir que quand tu vas recevoir, tu vas bien gérer ce que tu as reçu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que notre Dieu est jaloux. Quand il nous donne, il veut que nous puissions être à lui. Il veut que nous puissions le servir. Il nous a aimés, il nous a fiancés. Il a dit, la parole de Dieu dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure.
Amen. La volonté de Dieu, c'était de faire quoi? La volonté de Dieu, c'est nous faire rentrer à la dimension de l'épouse. Parce que quand tu rentres dans la dimension de l'épouse, tu partages la gloire de l'époux. Parce qu'il est venu pour nous faire éclater sa gloire. Il veut que nous puissions glorifier le Seigneur. Il veut que dans cette terre, qu'on puisse voir la sagesse infiniment variée des dieux. C'est ce que Dieu veut. Mais pour le faire, il faut que tu atteignes la dimension de l'épouse. Parce que la dimension de l'enfant, tu ne peux pas hériter. Et la dimension de fils, tu ne peux pas tout savoir. Parce que le fils n'a pas accès à la révélation. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de l'engagement. Parce que quand nous venons à lui, notre Dieu veut que nous sommes fiancés. Il nous a fiancés. Mais un fiancé doit s'engager. Amen. Parce qu'on a dit, quand l'époux vient, dans les mariages juifs et mariages africains, on a dit, dimanche passé, il y a 4 étapes. Première étape, c'est l'étape de rachat. Donc, il vient pour nous racheter. Il nous a racheté par son sang précieux. Par un prix fort de sa vie. Il a donné sa vie pour nous racheter. Le rachat, c'est un peu comme la dot. Il a payé la dot. Quand nous allons nous marier, est-ce qu'il y a des mariés en ces lieux? Il y a des mariés? Ah, il n'y a pas beaucoup de mariés. Hein? Nous devons changer notre manière de prier. Amen. Parce qu'il faut qu'il y ait plusieurs. Oh, lo, lo, lo. Amen. Voilà. Non, ce n'est pas normal. Et c'est normal de se marier. C'est normal. Il y a une grâce. C'est magnifique de se marier. Amen. Amen. Donc, je ferme la parenthèse. Vous n'allez pas m'amener là-bas. On va faire un séminaire spécial. Amen. Comme ça, on va donner les clés. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui dit, mais c'est compliqué de se marier. Hein? C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Il y a simplement des clés à appliquer. Amen. Ah, je sens qu'il faut faire un séminaire spécial. Amen. Comme ça, on va libérer. La grâce du mariage sera relâchée dans cette maison. Et quand je poserai la question, est-ce que les mariés peuvent lever la main? Et là, on aura beaucoup de mariés. Amen. Alors, ce que j'étais en train de dire, quand tu es fiancé, on attend de toi, étant donné que tu as été racheté. Donc, il est venu avec des promesses. L'époux est venu avec des promesses. Il a dit, je vais te fiancer, je vais te marier, je vais t'épouser, je ferai de toi. Le Seigneur a dit des choses dans ta vie. Il va faire de toi. Tu vas devenir semblable à lui. Il va faire éclater sa gloire à travers ta vie. Il t'a donné des promesses. Il est venu avec le vin. Le vin, c'est la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est là pour t'assister. Le Saint-Esprit est là pour t'accompagner. Tu n'es pas seul. Il est venu aussi avec quoi? On a dit avec le vin, les promesses et troisième chose. Ah, vous suivez? Ah, vraiment. Il y a trois choses. Il vient... Vous voyez, il y a ce livre. Hein. Je demande, je recommande à chacun d'acheter ce livre. Insatisfait, entrer dans la dimension de l'épouse. Et l'apôtre Mohamed Sanogo explique toutes ces choses. C'est tellement puissant, ce livre. Il nous montre comment le mariage juif, Jésus, ce qu'il a fait, il a simplement appliqué, étant donné qu'il était juif sur la terre, donc il a appliqué ce qui s'est passé dans le mariage juif. Donc c'est juste une histoire de mariage en fait. Donc c'est pour cela qu'il nous a fiancés. Il nous a rachetés par son sang. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit dimanche passé, mais ce que je voulais dire, l'époux
s'attend à ce que tu t'engages. Dis à ton frère et à ta soeur, tu dois t'engager. Oh. Parce que je suis venu, j'ai payé le prix. Je t'ai fiancé. Je répare vers mon père afin de me préparer, afin de venir faire les noces. Et pendant ce temps-là, tu dois t'engager. Et tu dois t'engager à te préparer. Amen. On a dit que la préparation, ça consiste principalement à deux choses. C'est de répandre le parfum de notre Dieu. Ça veut dire que annoncer la bonne nouvelle du royaume. Parce qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Amen. La préparation consiste à mourir à soi-même afin de laisser Christ se révéler et se manifester dans nos vies. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur, je dois m'engager à me préparer? Alors, le titre du message d'aujourd'hui, c'est le niveau d'engagement attendu pour l'épouse. Le niveau d'engagement attendu de l'épouse. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs? Alors, pour commencer, le niveau, quand tu es enfant, quand tu viens à lui, tu es enfant. Comme je disais tantôt, tout à l'heure, quand je disais, donc un enfant s'attend simplement à recevoir du Père, à recevoir l'amour du Père, à recevoir l'attention du Père. Mais un enfant n'est pas là pour donner. Un enfant est là pour recevoir. Amen. Il est bon parce que l'enfant est en train de prendre conscience que le papa, c'est je suis comme le père. Un jour, moi aussi, je deviendrai comme lui. Un enfant doit développer l'admiration. Amen. Un enfant doit observer le père jusqu'au temps marqué. Il a dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère de rien d'un esclave jusqu'au temps marqué par le père. C'est le père qui détermine que l'enfant a grandi, passe à la dimension du fils. C'est parce qu'avec le fils qu'on peut confier l'héritage. C'est avec le fils qu'on peut donner, on peut commencer à gérer avec le fils. Avec l'enfant, tu ne peux pas. Amen. Alors, l'engagement c'est quoi? C'est un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. Promesse, convention ou contrat par lequel on se lie. C'est ça l'engagement. C'est un acte par lequel on s'engage. L'engagement que nous avons avec Jésus, c'est un meilleur contrat. Ce n'est pas comme un contrat de mariage qu'on a sur la terre. Il y a des contrats de mariage. Des contrats qui se cassent facilement. Alors que l'engagement avec notre Dieu, c'est une alliance. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour l'alliance? L'alliance, vous voyez l'alliance quand on parle, c'est pourquoi on se change, les époux se changent, se mettent l'alliance, parce que l'alliance c'est circulaire, il n'y a pas de fissure. Ça veut dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas de fissure, donc ça veut dire que ça ne s'arrête pas, c'est continu. Dans la pensée des dieux, le mariage, parce que comme on a dit, c'est juste une histoire de mariage, la relation entre nous et l'époux, l'épouse et l'épouse, c'est comme le mariage que nous vivons sur la terre. Et l'engagement que nous avons, c'est une alliance. Donc on doit prendre conscience que nous devons arriver à un niveau d'engagement le plus élevé possible. Et le niveau le plus élevé, c'est ce qu'on appelle ce niveau-là d'alliance, ce niveau-là que nous allons voir tout à l'heure. Mais au départ, ça commence comment? Ça commence juste par participer. C'est pour cela, tu vois, tu viens à l'église quand tu as envie de venir. Quelqu'un peut dire, hey, le Seigneur t'a fiancé. Il a dit, tu dois te préparer. La préparation, ça consiste à être enseigné, à être édifié. C'est pour cela qu'on dit, vas-y, 001, 101, 201, 301, 401, IEBI. Poimano. Ouais. Tout ça, c'est une formation.
Dis à ton frère, à ta soeur, est-ce que tu es formé? Dis-lui bien là. Depuis que tu es arrivé, est-ce que tu participes seulement? Parce que le niveau zéro, c'est le niveau de la participation. Ce n'est même pas un niveau. Ça veut dire tu viens quand tu veux. Tu viens au culte quand tu veux. Quelqu'un peut dire, Quand on te dit, on a sorti d'évangélisation, tu dis, moi, je suis aux Champs-Élysées. Je vais chercher mon sac. Mais après, tu vas dire, dès qu'on va dire prière, on va prier, on va imposer les mains aux malades ou pour qu'il y ait percé, tu vas voir la salle est remplie. Les enfants qui viennent. Oh Seigneur. Oh, tu... Dis à ton frère, à ta soeur, es-tu sûr que tu es un enfant ou un fils? Le niveau de la participation, tu dois quitter ce niveau. Amen. Tu dois quitter ce niveau. La parole de Dieu déclare dans 1 Samuel 18, 1 à 4. L'engagement, quand tu regardes le niveau d'engagement, souvent on parle de la relation entre Jonathan et David. Alors, 1 Samuel 18, 1 à 4. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Vous voyez? Le niveau haut d'engagement, il faut qu'il y ait de l'amour. Dis à ton frère, à ta soeur, tu ne dois pas, comme a dit l'apôtre Mohamed Sanogo, ton amour ne doit pas être un amour poulétique. L'amour du poulet. Est-ce que vous avez entendu ça? Je pense que quelqu'un n'a pas appris, ne connaît pas. Tu vois, quand tu prends, tu as ta poule. D'accord? Tu aimes ta poule. Tu nourris ta poule. Tu grossis ta poule. Les fêtes arrivent. Bientôt, 31 décembre. Tu vas dire, tu protèges ta poule. Quand la poule n'est pas là, tu vas dire, tu es attentionné. Mais où est ma poule? Tu vas chercher ta poule. Parce qu'en Afrique, parfois, il y en a qui volent les poules. Je connais quelqu'un, c'était un kidnappeur de poules. Donc dès qu'il voit les poules en train de jouer dehors, de s'aventurer, il prend des graines comme ça là. Jette jusqu'à sa maison. Et dès que la poule va arriver à la maison, crac. Et toi tu cherches ta poule et ta poule a disparu. Quelqu'un me dit, cet amour là que tu manifestes envers ta poule, c'est ce qu'on appelle, l'apôtre Mohamed Sanogo a parlé de l'amour poulétique. L'amour de, ça veut dire quoi? Tu n'aimes pas cette poule. Dis vrai, tu ne l'aimes pas. Tu veux simplement manger cette poule. Ton amour envers Dieu, est-ce que c'est un amour de poulet? Est-ce que tu aimes Dieu véritablement? Ou tu veux simplement la main? Est-ce que tu veux son cœur? Tu désires sa main ou son cœur? Quand tu es un enfant, ou quand tu es même à un niveau de fils, parfois même le niveau de fils, tu sers le Seigneur, tu sers, mais simplement parce que tu veux recevoir quelque chose, tu veux obtenir quelque chose. Ton amour est superficiel, ton amour n'est pas profond. Est-ce que ton amour, si Dieu disait, je ne te donnerai pas ce que tu cherches, est-ce que tu vas rester? Tu resteras par amour? Il y a un silence. Tu cherches un mariage. Tu cherches un mari. Tu cherches un travail. C'est tes aspirations. Et tu entends une voix
je ne te donnerai pas. Tu vas rester? Est-ce que tu es là pour lui ou tu es là pour sa main? Est-ce que tu es là pour les bénédictions ou tu es là pour le Dieu qui bénit? Vous voyez, c'est marqué l'aimant comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance. On a parlé avec David. Alliance. Le niveau d'engagement, oh, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'alliance. Il faut qu'il y ait l'amour. Il faut qu'il y ait l'alliance. On a dit l'alliance ne s'arrête pas. Ça ne veut pas dire que je suis en train de servir et quelqu'un est venu me parler mal dans le service et directement je dis, ah, je quitte le service. Quelqu'un me dit, est-ce que c'est cette personne qui t'a embauché? Qui t'a embauché? C'est Dieu ou c'est ton berger ou ton ministre ou ton leader? Ah, vous voyez, l'alliance ne s'arrête pas. Il n'y a pas de fissure. C'est marqué, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. L'amour couvre. Tu couvres. Quand on s'engage, on couvre. On couvre les faiblesses. Est-ce que tu es capable de couvrir? Quand quelqu'un viendra parler du mal de ton berger, tu vas le couvrir? Tu vas le défendre? Ou tu vas dire, ah, ce n'est pas mon problème, ça ne me regarde pas, c'est son affaire? Dis à ton frère, à ta soeur, ton engagement doit être total. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Es-tu capable de te livrer? Jonathan se livrait devant David. Quand on aime, on se livre. On se livre. On partage ses faiblesses. On partage. Es-tu capable de partager ses faiblesses? Depuis 1950, tu es à l'église. Personne ne connaît ta vie. Qui me dit, tu as des défis, mais dans le secret. Que tu sois dans la joie ou dans le pleur, personne ne connaît ta vie. Tu fais carapace. Parce que dans le passé, tu as été blessé. Parce que dans le passé, on a abusé de toi. Parce que dans le passé, et tu t'es construit une carapace. Tu dis, désormais, même dans cette église, personne ne va percer la carapace. Jonathan s'est livré. Oui. Hein? Et ça, c'est un miracle. Quelqu'un qui vient à l'église, directement, on se considère comme frères et sœurs. Parce que c'est Dieu qui nous unit. C'est cet amour-là, ça vient de Dieu. C'est un miracle. Ici, c'est marqué. David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée. Ça n'a pas mis 10 ans. Toi, depuis que tu es là, tu observes les gens, tu dis, non, 2 ans, 3 ans, 4 ans, personne. Tu ne fais pas confiance aux gens. Quand tu es comme ça, check à l'intérieur. Peut-être il y a quelque chose que le Seigneur veut enlever. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que son engagement soit total. Son amour soit total. L'alliance, ça soit sans fissure. Alors, on a dit que il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau d'engagement, c'est le niveau zéro. On a dit que c'est la participation. Dis à ton frère, à ta soeur, ne reste pas dans ce niveau-là. Reste pas là, reste pas là. Dis-lui bien, ne reste pas là.
genre de choses, vous donnez vos disponibilités à Dieu pour le service, vous ne vous tenez pas disponible. Ça veut dire que tu dis, tu es là quand tu as le temps. Quand tu n'as pas le temps, tu n'es pas là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà. Donc, j'ai d'abord ma vie et après, la vie des dieux. Donc, la priorité, c'est d'abord moi. Et ça, c'est enfant. Parce qu'un enfant regarde. Vous voyez, les enfants, quand ils jouent avec les jouets, dès que tu prends comme ça, il va dire, mais je prends ce jouet. On va le prendre. Non, ça, c'est mon jouet. Les enfants sont égoïstes. Ne pense qu'à eux. Quand tu es à ce niveau-là, tu es égoïste. Tu penses qu'à toi. Tu penses que quand tu viens à l'église, qu'il y a ton frère, il y a ta sœur. Peut-être ton expérience, ce que Dieu a accompli dans ta vie, juste un sourire, une parole que tu peux donner à ton frère, à ta sœur, va communiquer la vie à ton frère, à ta sœur. Mais tu penses qu'à toi. Quand tu viens à l'église, c'est juste pour recevoir. Tu ne viens pas pour donner. Un enfant n'est pas là pour donner. Un enfant est là pour recevoir. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois quitter ce niveau. Le niveau 1, c'est un niveau qu'on appelle juste un niveau d'engagement. Tu as accepté de t'engager. Amen. Parce qu'on a dit, nous sommes en train de nous préparer. Cette parole, c'est pour nous aider en tant qu'épouse à bien nous engager. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le niveau 1, c'est un niveau bon d'engagement. Avec ce niveau-là, tu ramènes les 3 T. Ça veut dire que tu ramènes ton temps, tu ramènes ton talent, tu ramènes ton trésor même. D'accord? Mais quand tu viens, tu fais ça, tu mets à la disposition même de l'église ou d'un ministère ou d'un département, tu mets à disposition tes talents. C'est bien. D'accord? Mais pourquoi ce n'est pas suffisant de faire que ça? Vous mettez vos ressources à disposition des frères et sœurs. Parfois même vous payez le prix. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Mais la difficulté que vous avez, vous allez voir que vous ne travaillez pas au développement de ces ressources. Ça veut dire quoi? Je peux ramener mes ressources. Je ne viens pas, je ne fais pas comme celui qui dit que je donne seulement mon trésor. Je donne l'argent, je sème l'argent dans la maison du Seigneur. Mais je ne me préoccupe pas de ce qui se passe dans la maison du Seigneur. Parce que Dieu m'a béni, je suis devenu homme d'affaires. J'ai fait Dubaï, États-Unis. J'envoie ma dîme. J'envoie mes offrandes. Je me connecte quand je veux. Mais je ne m'intéresse pas aux défis du corps de Christ. Tu t'engages, oui, à donner. C'est bien. Mais tu ne développes pas ce que tu donnes. Quelqu'un qui donne doit veiller à développer. Parce que le Seigneur a dit dans le jardin d'Éden, quand Dieu te donne un jardin d'Éden, c'est pour le cultiver et le garder. Donc tout ce que nous avons, quand Dieu nous donne une église, quand Dieu te donne une église, c'est pour développer cette église et pour garder cette église. Quand Dieu te donne une relation, c'est pour développer cette relation et garder cette relation. J'aimerais vraiment que chacun d'entre nous puisse comprendre que chaque chose que Dieu te donne, tu dois développer cette chose-là et tu vas garder. Même quand Dieu te donne des enfants, tu prends des enfants, tu t'occupes pas des enfants, ces enfants vont disparaître. Quand Dieu te donne une famille spirituelle, tu ne développes pas cette famille spirituelle. Un jour, tu ne seras plus dans cette famille spirituelle. C'est une réalité. Donc ça veut dire que ton niveau d'engagement ne doit pas simplement dire que je ramène les ressources.
Tu peux ramener toute ton intelligence, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais derrière? Est-ce que tu te préoccupes des défis de ton berger? Est-ce que tu te préoccupes de Goliath, de ton berger? David est venu solutionner le défi de Goliath, de Saül. C'est David qui est venu solutionner le défi. Dis à ton frère, ne reste pas à ce niveau où tu ramènes seulement les ressources à l'église, mais tu ne développes pas. Dis à ton frère, participe au développement de l'église. Participe au développement de la relation. Quand Dieu te donne une relation, participe. Dis, parle à ton frère, à ta soeur, tu dois participer à la relation. Notre Seigneur nous dit, il faut aller dans les familles. Notre père, apôtre Ivan, a dit, maintenant allons dans les familles d'impact. Est-ce que tu participes au développement de familles d'impact? Ou bien simplement tu dis, ah c'est bien. Je peux vous aider, je vous amène, j'ouvre ma maison. Ou peut-être, mais faites ce que vous voulez dans ma maison. Moi, je suis entre Dubaï et États-Unis. Quelqu'un me dit, Les jours où il n'y aura plus ces ressources-là, ça va s'arrêter. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils ne travaillaient pas, ils sont à l'église. Dès qu'on leur donne un travail, ah, mais je suis occupé! Parce que le temps était conditionné par rapport au travail. Mais tout le monde travaille. Moi aussi, je travaille. L'apôtre Ivan travaille. Tout le monde travaille. Nous travaillons tous. Il a ses affaires. Voilà. Moi aussi, je travaille. Je suis salarié. Temps plein. Mais je suis temps plein dans le monde. Je suis temps plein dans le royaume. Mais quelqu'un va me dire, mais comment c'est possible? Mais oui, c'est juste une gestion de priorité. Est-ce que ton cœur est dans les affaires du royaume? Parce que quand tu mets ton cœur dans les affaires du royaume, quand ton cœur, la priorité c'est Dieu qui permettra à ce que tu puisses avoir suffisamment du temps pour faire le reste. Vous connaissez cette expérience? L'expérience qu'on a où tu as un bocal avec les balles de tennis, avec des billes et avec du sable. Qu'est-ce qu'on met dedans par priorité? On met d'abord les balles de tennis. Après, on met des billes et on met le sable. Et là, tout rentre. Amen. Donc, si toi, tu commences par mettre le sable, tu n'auras pas de la possibilité de mettre les billes et les balles de tennis. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à t'en sortir, ça veut dire qu'il y a un problème de priorité, gestion de priorité. Parce que Dieu nous a donné la capacité de faire beaucoup de choses. On peut faire. Je peux te donner un exemple de quelqu'un qui a les mêmes travails, même peut-être plus de travail que toi, plus d'enfants que toi, plus même des défis avec la famille. Ah, là, tu vois, même à la famille, là, envoie-moi. Là. Mais cette personne-là a du temps pour le Seigneur et prospère dans son entreprise. Mais toi, tu t'es dit, non, mais je n'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que c'est une question de gestion de priorité. Dis à ton frère, change ta manière de voir les choses. Change. Change la priorité. Dis-lui, change la priorité. C'est Dieu d'abord comme priorité. Amen. Donc, vous avez compris, pour ce niveau d'engagement-là, tu dois te développer. Tu développes ce que tu ramènes comme ressource. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le niveau 2 d'engagement, c'est ce qu'on appelle le niveau de la fidélité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur déjà pour ce niveau? Parce que Dieu veut que tu sois fidèle.
une épouse qui se prépare, c'est une épouse qui est fidèle. C'est une épouse qui garde la parole qui est donnée, qui est libérée. C'est une épouse qui marche sur la parole du Seigneur. Amen. C'est une épouse, quand Dieu dit « va servir le Seigneur ». Amen. Dans ce niveau, vous prenez soin de ce que Dieu met entre vos mains. Vous prenez soin. La fidélité veut dire aussi prendre soin. Ça veut dire que, quand on parle de la fidélité, ça veut dire que tu fais attention à toute tâche. Les tâches que Dieu te donne, c'est la fidélité, c'est par rapport aux tâches. Tout ce que Dieu te donne, tu le fais bien. Tu prends soin de ça. C'est très bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Et vous avez compris aussi que vous n'êtes qu'un intendant. Donc, ce que Dieu veut, il a dit, c'est qu'on on veut des administrateurs d'être trouvés fidèles. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont fidèles. Savoir gérer correctement. Parce que si tu es fidèle aux petites choses, Dieu te donnera des grandes choses. Si tu es fidèle à ce qui appartient à autrui, Dieu te donnera ce qui est à toi. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois être fidèle. Amen. La différence avec le niveau 1, vous développez ce que Dieu vous donne. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur par rapport à ça? On t'a donné une famille d'impact et tu as développé et vous devenez 10 familles d'impact. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour ça? On t'a donné un ministère, tu as développé ce ministère. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans ce niveau, vous faites ce qu'on vous demande de faire. Donc ça veut dire que vous êtes orienté tâche. Vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas accès à la révélation. Donc vous n'êtes pas connecté à ce qui est dans le cœur de la personne qui t'a donné. Ce qui est dans le cœur des dieux. Et ton engagement ne peut pas être total. Pourquoi? Parce que à un moment donné, Dieu peut te dire, fais ça aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit peut changer. Parce que le Saint-Esprit est en mouvement. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas dans un monument. Donc si tu n'es pas connecté au cœur de Dieu, quand les priorités de Dieu changent, toi, tu vas rester sur la directive passée. Il peut dire, hey. Et quand tu auras fait la directive passée, et tu vas te rendre compte que c'est comme si il n'y a rien qui s'est passé. Et pourtant, tu as payé le prix. Et pourtant, tu as développé. Mais tout ce que tu as fait là, c'est comme s'il n'y a rien. Ça n'a pas porté de fruit. Après, tu te dis, je suis déçu. Après, tu te dis, c'est comme si je ne suis pas au bon endroit. Après, tu te dis, c'est comme si ce n'est pas mon église ici. Après, tu vas dire, tu te réveilles le matin, tu te dis, je quitte l'église. Parce que c'est comme si il n'y a pas d'amour. On n'a pas considéré mon travail. Parce que, vous voyez tout ce qu'on entend? Ah. C'est comme si on n'a pas valorisé mon travail. Mais c'est toi qui n'es pas connecté au cœur du Père. C'est bien d'être fidèle. C'est bien de développer. Mais tu ne peux pas être resté à ce niveau. Dis à ton frère, à ta sœur, monte au niveau supérieur. Le Seigneur t'attend à un niveau plus élevé. L'épouse ne peut pas rester au niveau fidélité. L'épouse doit rentrer dans une dimension supérieure. Et la dimension supérieure, c'est ce qu'on appelle la loyauté. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, la loyauté, c'est quoi? La loyauté, c'est la même chose que la fidélité. Mais la particularité de la loyauté, c'est que ce n'est pas orienté tâche, mais la loyauté, c'est orienté personne. Ça veut dire que tu es loyal par rapport aux personnes. Tu vas dire que je suis loyal au berger, au pasteur Emmanuel. Et quand tu entends quelqu'un critiquer le pasteur Emmanuel, tu dis, hey, tu ne touches pas à mon papa. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La loyauté, c'est cette dimension-là, comme j'ai expliqué par rapport à David et Jonathan. Jonathan
a tout fait de manière que Saül ne puisse pas tuer David. Jonathan a défendu David. Il y a cette notion de défense. Il y a cette notion de couverture. Il y a cette notion de protection. Il y a cette notion d'attachement. Il y a cette notion d'amour. Il y a cette notion d'alliance. Dans la loyauté, vous opérez par amour, votre engagement est total. Vous faites au-delà de ce qui est dit. Je vous ai donné la dernière fois dans Philémon 1:21. Quand tu es loyal, tu es connecté au cœur de la personne. Ça veut dire que quand la personne reçoit les directives, alors toi aussi, tu changes. Quand tu es loyal, ça veut dire que tu es connecté à l'Esprit des dieux. Quand ton responsable, comme ici, comme l'apôtre Ivan, quand il reçoit des directives, toi, tu coules dans ce qu'il reçoit. Et là, tu vas voir que tu n'es pas quelqu'un qui a du mal à mettre en pratique les directives qui sont reçues. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit t'avait déjà communiqué cela. La parole de Dieu dit dans Philémon 1:21, c'est en comptant sur votre obéissance, je suis sûr, je suis persuadé que vous ferez au-delà de ce que j'ai dit. La dimension de la loyauté, on n'a pas besoin de se voir. On n'a pas besoin de se parler. On a besoin d'avoir le cœur qui se connecte. Parce que dans la dimension de la loyauté, il y a ce qu'on appelle l'admiration. Tout ce que tu admires pousse en toi. Si tu veux recevoir les grâces du Père, tu dois admirer le Père. Si tu veux recevoir les grâces du Père, tu dois décharger le Père. Je prie que toute l'Église puisse rentrer dans cette dimension de la loyauté. Parce que c'est dans cette dimension de la loyauté, c'est là où c'est la dimension de l'épouse. C'est pour cela, tu vois, les époux se doivent être loyaux. C'est pour cela l'apôtre Mohamed Sanogo a dit, si quelqu'un frappe mon enfant, je vais venir demander, poser la question, pourquoi tu as frappé mon enfant? D'accord? Avant de frapper, il faut d'abord que je pose la question. Peut-être mon enfant a fait une bêtise. Mais quelqu'un qui frappe ma femme, hey! Qui me dit, hey! Kabra kabayanda brachaka! Kouka kakaya! Yika! On dit, mais tu es pasteur! Je frappe d'abord. Après, en fait, pourquoi tu t'as vu faire ça? J'ai déjà frappé là. Je cogne comme ça là. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Non, parce que c'est ça, c'est cette dimension qu'on appelle de la loyauté. On est en train de critiquer ton papa. Un enfant où on est en train de critiquer son père. Et l'enfant est là aussi, en train de rigoler avec. C'est pas normal. Tu dois défendre ton père. Dis, nous devons défendre l'institution des dieux. Tu dois défendre ton église. Tu dois défendre les institutions. Amen. Alors, juste pour clôturer, je vais te faire juste rapidement la différence pour que tu comprennes la différence entre la fidélité et la loyauté. Ça va aller très vite. Tu vas comprendre. La fidélité fait ce qui est requis, alors que la loyauté va au-delà. Est-ce que tout le monde a compris? Philémon 1:21. Donc quand tu es fidèle, tu fais ce qu'on t'a demandé de faire. Mais quand tu es loyal, tu fais au-delà de ce que qu'on t'a demandé de faire. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Lorsque qu'on leur donne une instruction, la fidélité obéit à cette instruction là, alors que la loyauté fait avant même que l'instruction soit donnée. Un enfant loyal à la maison, je pense les mamans le savent. Tu dis à ta fille, va me nettoyer la salle de bain. La fille vient comme ça, juste fait l'eau, ta 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 rapidement, et part.
Tu vas rentrer dans la salle de bain, tu dis, mais qui a fait ça? Il n'y a rien du tout. Parce que quand maman dit, va nettoyer la salle de bain, ça veut dire que tu fais attention aux détails. Il y a le savon, tu soulèves le savon, il y a des saletés en dessous des savons, tu nettoies, tu fais comme ça, tu passes, tu frottes, tu enlèves tout. C'est ce qui est attendu. On ne peut pas tout te dire. Mais quand tu as capté l'esprit de ta mère, de ton père, de ton berger, tu vas faire au-delà de ce qui est dit. Amen. On ne peut pas te dire, vas-y, fais ça. Un, tu dois être là. Tu dois être à l'heure. Tu dois faire ceci. Non, on ne peut pas. Mais capte l'esprit. Et là, nous allons opérer à la dimension de l'épouse. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? La fidélité vient à l'heure. On lui a dit de venir. Alors que la loyauté vient en avance. Amen. La loyauté vient en avance. Parce que si tu viens à l'heure, tu viens comme tout le monde. Un vrai fils qui a accès à la révélation. L'épouse doit se gérer, doit regarder. Mais est-ce que la table est bien rangée? Est-ce que les chaises sont bien rangées? C'est avant l'heure que tu viens, avant la réunion. Parce que l'épouse se préoccupe. Mais quelqu'un qui vient comme ça juste à l'heure, oh, on m'a dit 10h, je viens à 10h. Mais tu ne sais même pas le prix qu'on paye avant. Tu ne sais pas la souffrance qu'il y a derrière. La coupe peut-être que le père est en train de boire, l'époux est en train de boire. Tu ne sais pas. L'épouse doit veiller. Quand tu es dit 10h, tu viens avant. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? La fidélité commence à l'heure et finit à l'heure, alors que la loyauté travaille tard. On finit ici là. D'accord? Mais moi, 19h, 21h, je suis encore là. Entretien. Pendant que toi, tu es rentré, tu fais ton jardin, tu vas faire le foot, tu vas au resto. Il y en a qui sont là, qui font entretien, qui veillent, parce que c'est les affaires du royaume. Vous voyez ça? La fidélité finit à l'heure. Quand on dit le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Parce que tu es là pour parler avec les âmes. Peut-être un sourire seulement, tu peux sauver une vie. Une seule parole, tu peux sauver. Quand Dieu envoie des âmes à l'église, l'église c'est comme un hôpital. Les gens viennent malades. Chacun a un besoin. Chacun recherche quelque chose. Peut-être que tu es la solution à cette personne-là, pour cette personne-là. Mais toi, tu viens et tu pars. Alors que Dieu a envoyé cette âme-là pour que tu puisses te connecter à cette personne-là. Tu te connectes à cette personne et cette personne-là peut devenir même une bénédiction pour toi. La fidélité finit le travail qu'on lui a donné alors que la loyauté fait encore plus. La fidélité fait ce qu'elle peut alors que la loyauté fait tout ce qui est nécessaire. La fidélité fait bien les choses alors que la loyauté fait mieux les choses. La fidélité n'exploite pas et n'expose pas la faiblesse des gens alors que la loyauté couvre la faiblesse et fait quelque chose pour la réparer. Tu couvres la faiblesse. À chaque fois quand tu vois dans l'église, on parle mal de ton frère, de ta soeur, de ton père, de ton berger, de ton comme ça. Si toi tu ne fais rien, tu ne gardes pas, tu ne protèges pas l'institution. Parce que tu laisses quelque chose, une graine rentrer. Et cette graine-là va détruire. La parole de Dieu dit, c'est lui qui néglige l'œuvre de Dieu. Et frère de celui qui détruit. La négligence. Tu as négligé. Quelqu'un est venu à l'église, a sorti une parole ou est en train de faire quelque chose et toi tu fais rien. C'est une négligence. Tu es frère de celui qui détruit.
que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. La fidélité croit à la vision alors que la loyauté fait la promotion de la vision. Ça veut dire que quand tu es fidèle, un fils a sa vision, a sa manière de voir les choses, alors qu'une épouse a la vision de l'époux. L'épouse soutient la vision de l'époux. L'épouse fait la promotion de la vision de l'époux. Tu viens à l'église, tu commences à dire, mais moi je veux qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Est-ce que tu t'es préoccupé de la vision du berger? Est-ce que tu fais la promotion de la vision du berger? Ah, je sens le silence, mais c'est très bon. Quelqu'un peut dire, c'est très bon. Parce que le Seigneur est en train de faire, de travailler, de nous enlever. La fidélité a plusieurs idées, alors que la loyauté suit la vision. La fidélité voit des besoins, alors que la loyauté trouve les solutions. Tu viens à l'église, tu trouves que, mais oui, il y a ça, il y a ça, il y a ceci. Mais quand tu vois des défauts à l'église, ça veut dire que tu es le solutionnaire. C'est toi. Quand tu vois un problème, ça veut dire que c'est toi la solution. Qu'est-ce que tu fais par rapport à cela? La fidélité croit au pasteur alors que la loyauté a un pasteur. La fidélité, voilà, va prendre un peu de ça sur Internet. Va écouter ici, va écouter là, va écouter ici. Alors que la loyauté va d'abord écouter son père, premièrement. Après, il va écouter qui? Les fils du père ou les frères, qu'on appelle les oncles. Ou les pères du père. Vous avez compris? Avant de préparer un message, c'est d'abord l'apôtre. Est-ce que l'apôtre a sorti cette pensée? S'il n'a pas fait, est-ce que l'apôtre Yves l'a fait? Non. S'il n'a pas fait, est-ce que ses fils l'ont fait? Pasteur Teddy, est-ce qu'ils ont fait? Non. Est-ce que les oncles l'ont fait? Pasteur, apôtre Mohamed Sanogo. Est-ce que les pères l'ont fait? Ce que je suis en train de vous donner, c'est pasteur Mathieu, le père du père. La fidélité croit au pasteur alors que la loyauté a un pasteur. La fidélité apporte sa dîme alors que la loyauté apporte ses offrandes, ses vœux, tout ce qu'elle a promis et apporte sa dîme. Quelqu'un me dit, hey. Ça veut dire que quand tu es loyal, tu ne viens pas juste avec une partie. Tu ne fais pas de Saphira. Hein? Oh non, on a vendu un terrain. Vous avez vendu un terrain? Oui, voici l'argent, tout ce qu'on a reçu, c'est ça. Et on leur a dit, mais est-ce que vous êtes sûr de ça? Oui, oui, oui. Le mari est venu à confirmer. La femme est venue à confirmer. Et les deux ont été frappés de mort. Comment on peut mentir au Saint-Esprit? Donc, quand tu es loyal, Dieu regarde au cœur. Il voit la disposition de ton cœur. Donc ça ne sert à rien de retenir la main, de faire la volonté de Dieu et le Seigneur te bénira. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va terminer. La fidélité fait son travail alors que la loyauté fournit un service. La fidélité, il fait, comme on dit, il a fait son, j'ai fait mon taf. Mais dans la loyauté, il y a la dimension du service. Le service, ça veut dire que tu vois les âmes qui sont derrière. Même si je suis en train de balayer à l'église, mais je balaye pour que l'église soit propre, pour que les âmes qui arrivent puissent se sentir bien. Tout service que nous faisons à l'église, c'est pour les âmes que nous le faisons. Donc il n'y a pas un service à négliger. Tout ce que nous faisons. La fidélité comprend la soumission alors que la loyauté comprend l'amour.
que quand tu es fidèle, tu te soumets. Mais quand tu es loyal, tu es dans l'amour. Quand tu viens décharger le Père, tu le fais par amour. C'est pas simplement parce que je suis serviteur, je dois me soumettre. Non. Parce que tu es rentré dans la révélation. Tu as compris la mission du Père. Alors tu le fais de toi-même, de ton propre chef, avec le cœur rempli d'amour. Amen. Pour terminer, la fidélité est requise, alors la loyauté est attendue. Amen. La fidélité respecte le leader, alors que la loyauté parle de manière favorable du leader. Est-ce que tu parles de manière favorable? Est-ce que quand tu es en train de parler de ton pasteur, est-ce que tu parles de manière favorable? C'est ça qui fait la différence, la loyauté. La fidélité est le point d'entrée de la bénédiction, alors que la loyauté est là où se trouve la bénédiction. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? La fidélité, on l'apprend, alors que la loyauté, elle sort du cœur. La fidélité, on apprend. Tu apprends ça, tu apprends à faire les tâches. Mais la loyauté, ça vient du cœur. Quand ton cœur est connecté au cœur du Père, alors c'est cet amour-là qui va faire de toi quelqu'un d'engagé. Et l'ennemi ne pourra jamais te retirer de la présence de Dieu. Tu seras à la dimension de l'épouse. C'est ce qui est attendu. C'est ce niveau d'engagement qui est attendu. Et comme je dis, tu ne peux pas dire que je me soumets à Dieu sans me soumettre à l'autorité que Dieu a établie. Quand Dieu positionne les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, c'est pour l'édification de l'Église. C'est pour l'ordre de l'Église. C'est pour que nous puissions atteindre ce qu'on appelle le temps marqué, pour grandir spirituellement. Tu ne peux pas dire que moi je suis indépendant, je fais ma vie et tout ça. Si tu fais ça, tu es un enfant. Si tu es un fils, cherche à rentrer dans la dimension de la loyauté. Et là tu vas voir, le Seigneur te bénira et t'amènera au niveau supérieur encore. Il t'amènera toujours de gloire en gloire. Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Donc si nous pouvons nous tenir debout. Ta bonté, Seigneur, est grande. Ta bonté, Seigneur, est incomparable. Oh, nul n'est comme toi, oh Jésus, oh grande, 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 ta bonté. Disons ta bonté, Seigneur, ta bonté, Seigneur, est grande. Ta bonté, Seigneur, ta bonté, Seigneur, est incomparable. Oh, nul comme toi, oh Seigneur, grande, 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 ta bonté, Seigneur. Dis encore ta bonté, Seigneur. La bonté veut dire l'amour manifesté. Tu as manifesté ton amour. C'est que tu nous as envoyé ton Fils, Jésus le Christ. Tu nous as envoyé ton Fils afin que nous puissions vivre pour ton bon plaisir, afin de pouvoir accomplir ce qui est attendu. Parce que tu veux faire éclater ta gloire. Tu veux que ce monde soit gagné. C'est pour cela, Seigneur, tu nous as enrôlés.
dans l'armée, tu nous as fait. Tu as fait de mon frère et de ma sœur. Tu nous as fait rentrer dans la dimension de l'épouse afin de pouvoir marcher dans la loyauté, dans la fidélité et dans la loyauté. Tu nous appelles ce matin à nous engager totalement. Donnez-nous à nous engager totalement, à marcher dans la loyauté, à marcher dans la fidélité. Élève la voix à la voix. Si tu as compris cette parole, élève la voix, demande à Dieu de te donner ce cœur, d'être loyal, d'être loyal. La fidélité aux personnes, c'est ce qu'on appelle la loyauté. Parce que quand tu es dans cette dimension, ça veut dire que tu opères dans l'amour. Tu opères dans la dimension de l'épouse. Parce que tu as accès à la révélation. L'épouse est dans la chambre. Le serviteur n'habite pas toujours dans la maison. Mais l'épouse est dans la chambre. Le fils est dans la maison. Mais l'épouse est dans la chambre. L'épouse a la révélation. L'épouse comprend l'époux. Accorde-nous la grâce, Seigneur au Père, de comprendre, de te comprendre, d'avoir accès à ta révélation, afin de pouvoir marcher dans la loyauté, afin, quel que soit le terrain, quelles que soient les situations, on ne te quittera pas. Parce que toi, tu ne nous abandonnes pas. Tu ne nous délaisses pas. Tu es avec nous jusqu'à la fin de temps. Tu nous as aimés le premier. Accorde-nous la grâce, Seigneur, je t'en supplie, de pouvoir marcher dans la loyauté. Et Seigneur, tu nous as positionnés dans cette famille spirituelle. Donnez-nous, Seigneur, partout où nous sommes, dans tous les différents services que nous sommes. Donnez-nous à marcher dans la loyauté, parce que nous reconnaissons que c'est toi qui nous a embauchés. C'est toi qui es le boss, c'est toi qui es le patron. Accorde-nous la grâce, Seigneur, je t'en supplie, à considérer que tout ce que nous faisons, c'est pour le salut des âmes. Parce que ton cœur pleure pour le salut des âmes. Ton cœur va pour le salut des âmes. Seigneur, donne-nous à prendre conscience, à faire tomber, à repousser tout ce qui est superficiel, tout ce qui nous empêche de nous engager totalement. Tu nous appelles à ce que l'engagement soit total. Que notre engagement soit total. Élève la voix, demande à ce que ton engagement soit total. Ton engagement soit total. Que tu sois engagé pour l'époux, que tu sois engagé et que tu n'abandonnes pas l'époux. Ne fais pas comme Démas qui a abandonné l'apôtre Paul et qui est reparti dans le monde. Nous ne repartirons pas dans le monde parce que Seigneur, aujourd'hui, tu nous appelles à nous engager totalement. Et le niveau le plus haut d'engagement, c'est le niveau de la loyauté. Donnez-nous à marcher dans la loyauté. Donnez-nous, Seigneur, à marcher dans l'amour. Donnez-nous, Seigneur, à considérer que c'est toi qui as tissé cette alliance pour nous. Seigneur, donnez-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres. Est-ce que tu peux dire encore ta bonté, Seigneur, est grande. Ta bonté, Seigneur, toi qui nous as positionnés dans cette famille spirituelle, tu nous élargis afin de pouvoir manifester pleinement la dimension de l'épouse. C'est pour cela que tu as libéré cette parole, pour que nous puissions nous engager totalement en tant qu'épouse. Et quand l'époux viendra, tu ouvriras une épouse préparée. Une épouse qui s'est engagée totalement. Une épouse qui marche pour le bon plaisir de son époux. Merci Seigneur, toi qui fais toutes choses à merveille. Merci pour cette parole que tu as libérée. Que cette parole ne revienne pas à nous sans effet. Qu'elle accomplisse le but pour lequel elle a été envoyée. Nous te bénissons Père, à toi l'honneur, la puissance et la gloire.
Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié, avec action de grâce, avec révérence. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur ?